Rosalie, courage du fond de mon cœur. On peut parfois douter de soi, de son potentiel, de ses ressources, de ce qu'il y a en nous de beau et de valeur et de capacité pour avancer dans notre propre vie, pour laisser de belles empreintes dans la vie des autres, dans le monde. Nelson Mandela a dit un jour cette parole sublime qui avait été d'abord écrite par une femme. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être incapable. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute mesure. C'est notre lumière, pas notre ombre qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, magnifique, fabuleux et talentueux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Jouer petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de sage à se rétrécir, de telle sorte que les autres ne se sentent pas en danger à cause de nous. En laissant notre lumière briller, nous donnons incidemment aux autres la permission d'en faire autant. Lorsque nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence éclaire automatiquement les autres. Donc, quand tu doutes de toi, quand tu doutes de ton potentiel, de tes capacités, de ta valeur, de ta beauté, rappelle-toi toujours qu'il y a une immense lumière. Forte, belle, fabuleuse, talentueuse, magnifique, puissante, en toi. Et ne laisse pas, ne laisse plus les choses, les autres, les événements te faire douter de ça. Ta lumière, elle est faite pour briller. Ta lumière, elle est faite, elle est là et rien ne peut l'enlever pour éclairer les autres. Pour éclairer le monde. Rappelle-toi le message de cette chaîne YouTube. Il y a toujours de l'espoir. Sois cet espoir, cette lumière. Et aide-moi à diffuser mes messages d'espoir, s'il te plaît, en laissant un commentaire pour l'algorithme YouTube. C'est capital. Plus tu commentes mes vidéos, plus tu lui montres que ça te fait du bien, que tu es contente de ça. En laissant un like et en partageant ça autour de toi, il y a tant de gens qui ont besoin d'espoir. Le monde a besoin d'espoir. Aide-moi à diffuser mes messages et à me donner les moyens de tant d'actions que je voudrais faire, si je le pouvais, quand je le pourrais, pour donner de l'espoir à notre monde. À tout de suite pour la prochaine vidéo. C'est parti.